Salut. alors euh, ben, bonjour tout le monde. Vous avez là tout silencieux à attendre que allons-y. Alors, euh, vous allez bien? Oui, super. Alors euh, moi aussi, ça va bien. Je suis content de vous voir. La, euh, la pause a sûrement fait du bien euh, à tout le monde, c'est normal, là, surtout à vous, là. puis pas juste concernant mon cours. Là, donc euh, on, la première moitié de la première moitié de la session est terminée. Donc, on va euh, je vous en dire plus, je vais vous en donner je vais vous expliquer plus en détail mon, mon idée, mais le ça va exactement la même, il va se passer exactement la même chose en deuxième moitié de session. Donc, euh, c'est bon d'avoir fait une coupure entre les deux. C'est bon de s'être reposé. Mais surtout, aussi, il faut prendre acte de comment ça s'est passé dans votre cours de fiscalité pour la première moitié de la session. Puis, au besoin, apporter certains ajustements euh, pour la deuxième partie. D'accord? Donc, euh, juste je vous rappelle juste les, 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 la façon de procéder. Là, des fois, vous avez tendance à oublier quand vous partez en vacances et tout ça là, dans le cours de fiscalité. Donc, d'une part, je vous demanderai de fermer votre téléphone cellulaire juste pour la prochaine heure. C'est de... Donc, je n'ai pas, pas besoin de tordre de bras comme à chaque semaine. c'est Vous le respectez, puis je l'apprécie. Puis, euh, je suis persuadé que ça crée un climat pas mal plus favorable. Donc, merci d'avance pour ça. Aussi, je vais m'en vos prénoms. Accès à vos prénoms. Il y en a qui ont besoin de petits cartons. Je commence à les savoir pas mal. Là. Je dirais plus de 50 Je les connais. Simon, hein, c'est ça? Simon. Kim. Kim. Ton prénom, c'est quoi donc? Alfred. Alfred. Non, Ahmed. Écris-le-moi, Ahmed. Merci. Oui. Donc, je vous le dis, d'ici la fin de la session, je pense je votre, j'espère être capable de tous les apprendre, les prénoms, comme ça, en deuxième. En deuxième euh, dans la fiscalité 2, si on se revoit, je connaîtrai vos prénoms. OK, alors, comme je vous disais, donc la, la première moitié du cours est finie. Puis même, on, on peut le voir autrement. On peut dire qu'on a deux cours de fiscalité à faire fiscalité 1 et 2 sont indissociables. Je l'ai dit, vous, tout le monde suit les deux cours. Donc, c'est comme s'il y avait 25 de vos cours de compléter. Il reste la moitié du, deux, du cours de fiscalité 1 plus le cours de fiscalité 2, je dis ça parce qu'ils vont être identiques en tout point, ces cours-là ou ces moitiés de cours-là. Donc, ce qui s'est passé en première moitié de cours, c'est exactement la même chose qui va se passer en deuxième moitié de cours. D'accord? Donc, pour les cinq semaines de contenu, vous allez avoir un questionnaire électronique pour lequel vous avez la semaine pour le faire pour deux points à chaque semaine. Questionnaire que vous pouvez reprendre autant de fois que vous le souhaitez. Des questions courtes, directives, juste pour valider que le travail de la semaine a été fait. Vous avez un travail pratique de 10 points à faire la semaine précédent l'examen final. Bien sûr, on va le faire en classe, encore le jeu de rôle où je vais, où je vais répondre aux questions des comme si j'étais le client. Là. Vous avez vu un peu comment ça se passe. Donc, ça va se passer de la même façon. C'est une occasion d'aller chercher des points, euh, je ne dirais pas faciles, mais quand même accessibles. 10 points, un travail pour lequel vous avez 8, 8 jours ou 7 jours pour le faire. Euh, puis, euh, vous avez accès à l'ensemble du matériel pédagogique. Je suis pour dire que c'est quand même C'est quand même... C est, c est quand même euh, c'est quand même à votre portée. Si vous êtes, si vous êtes prêt, si vous n'êtes pas pris de retard rendu à, cette, à la semaine 14, un impôt de société, ça ne devrait pas vous causer problème. Bref, on en reparlera. Euh, et bien sûr, c'est préparatoire à l'examen final qui est la semaine suivante, puis l'examen final n'est pas récapitulatif. D'accord, c'est écrit, là. vous irez lire ça dans le plan de travail, ceux qui le souhaitent. Donc, l'examen intra couvrait les sujets 1 à 4. L'examen final va couvrir le reste des sujets 5 à 8. Donc, seulement les sujets qui seront vus à partir d'aujourd'hui. Donc, si vous avez eu des faiblesses dans l'examen intra, vous en avez tout le monde en a certainement eu, euh, c'est inutile de dire de, de, de passer du temps là-dessus. Là. Ça ne sera pas questionné, puis là, il faut avancer. Il faut avancer. Il va y avoir en masse de matière dans les sujets 5 et 8 pour vous occuper pour l'examen final. Donc, concentrez-vous là-dessus. D'accord? Les résultats d'examen sont, sont tous quand même bons. D'accord, vous avez um, pour, la, pour la moyenne du groupe et tout ça, c'est bien réussi. D'accord? Mais individuellement, chacun doit, je pense, un peu se, se, se demander qu'est-ce qui va changer pour la deuxième moitié de la session. Donc, si ça a vraiment bien été pour, pour vous à l'examen intra, bien, peu importe c'est quoi votre recette, changez-la pas. Faites la même chose en deuxième moitié de session, puis ça va aller aussi bien, sinon mieux, parce que habituellement, l'examen final, il est un peu mieux réussi que l'examen intra. Non pas parce que les sujets sont plus faciles, mais. Vous savez un peu plus à quoi vous attendre. C'est sûr que c'est un peu surprenant la première fois qu'on fait un examen, notre premier examen de fiscalité à vie. Le format de l'examen pour certains n'était pas évident. avec son matériel pédagogique. Comment on, comment on y est-ce que je veux. Tout ça, ça c'est passé, c'est derrière vous, vous l'avez vécu, cette première expérience-là. Donc, je pense que des... vous allez être prêt, vous ne serez pas surpris par le format d'examen rendu à l'examen final. Donc, juste ça, ça explique déjà souvent des, des résultats un petit peu meilleurs à l'inverse, s'il y a des choses qui n'ont pas bien été pour vous, ou si dans l'ensemble, la première moitié de la session, vous n'êtes pas satisfait de votre résultat, il faut changer des choses. C'est le, le message inverse que je vous livre. Si vous ne changez rien, vous allez avoir un, un résultat aussi décevant qu'en qu première moitié de cours. C'est sûr qu'il faut changer quelque chose. D'accord C'est soit dans la préparation, pendant l'examen, comment ça s'est passé pour vous. Euh, vous avez remarqué que pendant l'examen, à peu près tout le monde est parti avant la fin. Ça me dit à peu près tout le monde. Là. Ça me dit que vous n'étiez pas coincé par le temps. 2h30 pour faire l'examen, ce genre d'examen-là, c'était amplement. Beaucoup m'ont dit qu'ils ont eu le temps en masse de reviser l'examen et euh, de partir avant la fin. Donc, donc ça, ça veut dire qu'il y a peut-être des, des, des réponses d'examen que tu as soumises, peut-être que tu n'es pas allé valider dans ton livre alors que tu aurais peut-être dû le faire, étant donné que tu avais le temps de le faire. Je comprends dans un examen où c'est une course folle. Puis tu arrives à la fin et euh, tu manques de temps, c'est sûr que tu n'iras pas valider à chaque fois dans ton livre si tu as soumis la bonne réponse. Mais quand tu as le temps de le faire puis tu as accès à ton livre, c'est un peu bête de ne pas, de, de pas te réviser suffisamment. Je vous l'ai dit, hein, c'est un cours de conformité fiscale. La seule chose que je valide dans les examens, es-tu capable d'appliquer une règle telle qu'elle est écrite dans le livre? C'est tout ce que je valide. Je ne valide pas ton, ton originalité. Ton sens de la débrouillardise, ton autonomie, je vais aller dans rien d'autre, ton originalité. Non, ça ne m'intéresse pas. Je te donne un problème et tu es capable d'appliquer de la, de, la règle fiscale comme c'est fait dans le livre. La plupart du temps, il y a un exemple dans le livre. Donc, pour beaucoup de questions d'examen qui étaient quand même courtes, directives, tu étais capable d'aller voir dans le livre l'endroit où c'était expliqué cette notion-là. Il y avait sûrement même un exemple chiffré avec des chiffres différents de ton examen. Étais, donc, euh, tu étais sûrement capable de reproduire ça dans tes réponses d'examen. Je comprends que vous faites des erreurs. Je ne suis pas en train de dire que vous avoir 100 sur 100, tout le monde. C'est normal qu'on fasse des erreurs, la, la pression, le stress, tout ça. Mais tu sais, même pas appliquer la bonne formule de frais de fonctionnement pour une automobile, quand, quand, quand tu l'as dans le livre et tu as le temps d'y retourner, à un moment donné, tu cours un peu, dans, ce cas, dans cette partie d'exemple, c'est sûr que tu cours un peu après ta perte. Si tu y vas au feeling, ah, je vois des chiffres dans l'énoncé. D'après moi, le, la formule du frais de fonctionnement, c'est euh, je prends les immatriculations payées par l'employeur, puis les, les autres frais payés par l'employeur, ça doit être ça. Pas ça pendant tout, c'est 27 cents fois, perso fois les kilomètres personnels parcourus. C'est juste ça. C'est écrit dans le livre, puis tu as le temps d'y aller, puis tu as accès à ton livre. Si tu ne fais pas cet exercice-là, dans l'examen, d'aller voir un peu, d'aller valider tes, 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 tes réponses ou autre côté. Et, 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 que, que tu as appliqué le bon traitement fiscal. C'est sûr que c'est le genre d'ajustement qui pourrait peut-être aider certains étudiants. Donc voilà, j'en parle pas plus, mais je ne suis pas du tout découragé, au contraire, je suis très encouragé. Je pense que ça, globalement, ça, dé, ça dénote que vous avez vraiment bien travaillé en première moitié de la session. Donc, euh, on, serait, on se dit qu'on euh, qu poursuit dans la même veine, globalement. Est-ce que, est que des gens ont des questions sur la, la première moitié de la session? Sur l'examen plus précisément. Ça va? N'hésitez pas, s'il y a des questions, à communiquer avec moi, comme d'habitude. Alors, euh, moi, OK, moi, j'ai chaud, hein? Bon, semaine 9, c'est reparti. Donc, euh, vous avez vu avec, en faisant le travail hors classe qu'on s'intéressait au sujet, euh, bien sûr, au sujet 5, mais surtout aux autres revenus et déductions. Donc, rappelez-vous que le seul, le seul élément d'évaluation cette semaine, c'est les questions choix multiples. Vous avez jusqu'à dimanche soir pour les faire. Et je vous réitère, le plus important, c'est les problèmes à résoudre qui sont ici. À peu près tout votre temps devrait être mis dans ces problèmes-là. C'est ce qui est le plus préparatoire à l'examen. Tout le reste, il faut aller un peu, faut, si vous avez peur de manquer de temps, allez vite sur le reste pour passer le, la majorité de votre temps sur les problèmes à résoudre qui sont ici. Donc, si on regarde le sujet 5, on a ça ici. Donc, euh, dans le fond, je vais vous montrer juste avec les... Ici, donc je vous dis, ça ici, rappelez-vous, hein, c'est notre image qui illustre une déclaration de revenu. Cette image-là, vous la retrouvez au début de chacun des sujets. Rappelez-vous, il y a euh, quatre, pardon, trois grandes composantes dans un rapport, dans une déclaration de revenus Le calcul du revenu, ici, que j'illustre en bleu dans mon volume. Le calcul du revenu imposable, ici, qu'on illustre en vert, et le calcul de l'impôt. Ici, illustré en rose. Ça a été expliqué en détail dans le sujet 3, la structure d'une déclaration de revenus avec ces trois composantes-là. Ça a causé beaucoup de problèmes à certains étudiants. Ça a été testé à l'examen étroit. Il y a une question complète où on vous donnait beaucoup de, de, de données par rapport à, à M. Roy, de mémoire, là, le, le nom de la personne. Et on vous demandait tout simplement qu'est-ce que tu places sur tel, à quelle ligne de la déclaration de revenus. Il y avait des exemples amplement dans le sujet 3. Donc, pour revenir là-dessus, c'est passé, c'est passé. Et euh, comme je vous ai dit, ce pas, on ne reviendra pas sur ces notions-là. Euh, donc, euh, le calcul du revenu d'emploi ici, c'est terminé. Donc, toute la première ligne ici, c'est quoi du revenu d'emploi? Qu'est-ce qui augmente du revenu d'emploi? Qu'est-ce qui diminue du revenu d'emploi? C'est réglé, on l'a vu avant l'intro. Donc, on continue à descendre. Euh, revenu d'entreprise, fiscalité 2. 10-20, c'est le fiscalité 2. On, repas, on passe. Oh, il reviendra. C'est assez compliqué. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Euh, donc, on s'arrête à la ligne suivante, revenus d'autres ressources, ainsi que les déductions ici qui vont directement dans le calcul du revenu. Donc, en d'autres mots, ici, là, dans une déclaration de revenus, on vous dit, inclus dans ton revenu fiscal, la partie bleue, tes revenus d'emploi, tes revenus d'entreprise, tes revenus de biens. Rappelez-vous que des revenus de biens, c'est des synonymes de revenus de placement. Donc, des revenus de dividendes, des revenus d'intérêt, des revenus de location. Donc, c'est des revenus qui sont générés par la détention d'un placement. Et donc, ça, c'est les principales sources de revenus et les autres. Donc, si tu si as gagné d'autres sources de revenus dans l'année autre que tu n'as pas occupé un emploi, tu n'as pas exploité une entreprise, tu n'as pas détenu un placement qui te générait des revenus de biens, mais tes autres revenus que tu as gagnés dans l'année, tu dois aussi les inclure. Donc, c'est comme un fourre-tout de toutes les autres sources de revenus. Concrètement, est-ce que vous en avez en tête, dans la vie, dans, dans la vie de, de monsieur, madame tout le monde, là, quelle source de revenus pourrait être gagnée dans l'année et imposable, autre que les trois que je viens de nommer Un revenu de pension, donc quelqu'un qui serait à la retraite et qui, euh, je oui, excuse-moi, je te donne la parole, dans, euh, donc quelqu'un qui serait à la retraite, qui aurait participé durant sa vie active à, son, à un fonds de pension d'employeur. Puis qui maintenant euh, disons, euh, vos parents par exemple qui ont peut-être travaillé toute leur vie dans, à quelque part comme euh, dans la fonction publique puis là qui maintenant sont à la retraite puis reçoivent des rentes d'un fonds de pension d'employeur c'est un exemple d'autres revenus effectivement allais dire toi euh, Natacha? qu'est-ce que tu, prestations d'assurance maladie euh, c'est un peu comme on a vu dans le sujet 4, ça? Dans le, dans le calcul du revenu d'emploi, on avait vu une, des, des régimes d'assurance contre la maladie, et les accidents. Ce serait plus, ce serait plus, ça ferait plus partie du revenu d'emploi parce que souvent l'employeur compte que tu payes une partie de la prime, souvent. Mais, euh, ah oui, euh, Marie-Ève. Non, ben, qu'est-ce que tu entends par revenu de placement? Intérêt, dividende, location? C'est des revenus de bien, ça. Merci quand même, Nicolas. Un Retrait REER. Donc, il y a des gens à la retraite qui n'ont pas, pas eu la chance de participer à des fonds de pension d'employeur, donc ils ne peuvent pas vivre d'une rente d'un fonds de pension d'employeur. Mais ces gens-là, comme des comme des, comme des bons écureuils, ont mis des, 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 des épargnes de côté durant leur vie active, souvent dans un REER, un régime qui s'appelle un régime enregistré d'épargne retraite. Quand on fait des retraits REER à, de notre propre REER, c'est le retour de notre propre argent. Comme c'est effectivement imposable un retrait REER parce que la cotisation avait été déductible. Lorsqu'on l'a mis. Fait effectivement, certaines pensions alimentaires reçues. Euh, on, on, va, on va en avoir d'autres. Des, des rentes reçues euh, du gouvernement, comme la riche des rentes du Québec, la pension de la sécurité de la vieillesse. Euh, si je suis sur l'assurance emploi, je perds mon emploi, puis je reçois de l'assurance emploi pendant un certain nombre de mois, ça va être aussi inclus dans les autres revenus. Donc, c'est ça qu'on retrouve. Donc, on va retrouver. Euh, dans le, juste voir la table des matières du sujet 5 si regardez. Donc, on va avoir un problème dans deux petites minutes qui va porter là-dessus, vous l'avez bien deviné. Donc, les autres sources de revenus sont ici. Donc, euh, des prestations de retraite d'un fonds de pension, une allocation de retraite, on verra ce que c'est tantôt, prestations constructives au décès, des prestations, prestations d'assurance emploi ou d'assurance parentale. La, je parlais d'assurance emploi. Donc, il existe un régime qui s'appelle l'assurance emploi qui. Nous, nous verse des prestations lorsqu'on perd notre emploi. Il existe aussi un régime qui s'appelle le, le, le régime québécois d'assurance parentale, qui lui vise aussi des prestations quand tu as un enfant. Donc, une femme qui a un enfant qui prend un congé de maternité ou un, un père qui veut un congé parental va, va recevoir des prestations de ce régime-là. Euh, différentes rentes reçues, des revenus provenant de différents régimes différés, comme Nicolas l'a dit, des provenant d'un REER, des gens qui sont sur l'assistance sociale, donc le, le dernier filet social. Hein. Vous savez que les gens qui sont sans revenus, qui n'ont plus le droit à de l'assurance emploi, qui n'ont le droit à aucune rente. De personne ni de l'État, le dernier, dernier filet social pour eux, c'est la, 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 de l'assistance sociale. Donc, ce n'est pas beaucoup, hein, c'est un petit montant d'argent pour survivre, c'est bien le cas de le dire. Donc, il faut l'inclure aussi dans la déclaration, sauf qu'il va être déductible aussi à un autre endroit. Donc, finalement, les gens ne paieront pas d'impôts là-dessus, mais bon, il faut quand même le considérer. Des gens qui sont accidentés de travail, vous savez qu'on a un régime au Québec qui s'appelle la CNESST. Donc, si tu, en milieu de travail, tu as un accident, ou une maladie, puis tu manques du travail parce que tu as été accidenté, c'est la CNESST qui va te verser des montants d'argent. On les inclut. De l'assurance vie, des fois, le, donc s'il y a quelqu'un qui est décédé dans notre entourage et qui avait une assurance vie à notre nom, des fois, c'est imposable, on en parlera. Bourse d'études, c'est presque jamais imposable. Tant mieux pour vous. Donc, ça, Donc, je vous les, les nomme volontairement parce que tantôt, dans le problème qu'on va faire, euh, vous avez compris qu'on ne change pas la, la stratégie pédagogique, hein, on va passer la journée sur un problème. Ces éléments-là devraient intervenir. Dans le même ordre, à l'inverse, maintenant, il y a des déductions. Il y a comme deux sujets en un. Hein. Donc, maintenant qu'on a parlé des autres revenus, regardez ici. Dans le même sujet, on va aussi s'intéresser aux déductions. Donc, on s'intéresse ici aux autres revenus. Dans un deuxième temps, on s'intéresse aussi aux déductions. Donc, de je ne vous demanderai pas votre avis là, mais vous l'avez peut-être déjà lu, puis vous l'avez sous les yeux. Dans le même esprit, il y a des dépenses qu'une personne fait dans l'année, des déboursés que le gouvernement dit à être déductibles dans le calcul de ton revenu, d'accord Mais ces déductions-là ne se rattachent à aucune source de revenu. Quand une déduction est liée à ton emploi, comme on a vu dans le sujet 4, la, la, la déduction fiscale elle est placée à l'intérieur même du calcul du revenu d'emploi dans le sujet 4. Quand une déduction est liée à ton revenu d'entreprise, c'est ce que j'ai fait là. Ouais, Donc, comme je vous disais ici, quand, euh, on, quand on reconnaît que dans le cadre de ton emploi, tu as encouru certaines dépenses et qu'on veut te les rendre déductibles, on l'a vu, la déduction fiscale, elle va se placer directement dans le revenu d'emploi. C'est la même chose pour le revenu d'entreprise. Si tu as encouru certaines dépenses dans ton exploitation d'entreprise et qu'on veut te les rendre déductibles, on va te le dire dans le calcul du revenu d'entreprise. Donc, ici, là, dans le fond, ce qu'on retrouve, c'est des déductions qui, ont, qui sont comme orphelines, qui ne se rattachent à aucune source de revenu. Tu ne peux pas les rattacher à ton emploi ni à, à l'exploitation d'une entreprise. Ils ne se rattachent à rien. C'est juste que le gouvernement a décidé que dans ces contextes-là, il allait alloué une déduction fiscale. Par exemple, tu payes une pension alimentaire à ton ex-épouse. Déductible. Tu payes des frais de garde d'enfants pour envoyer tes enfants à l'école. Déductible. Tu encours des frais de déménagement. Déductible. Tu cotises à ton REER. Déductible. Donc, c'est des exemples. On va les voir, là, mais c'est des exemples de déduction. Orphelines, il ne faut, faut pas essayer de les apprendre par cœur ou, euh, ou essayer de trouver une logique là-dedans. C'est des choix politiques. Le gouvernement a décidé que ces contextes, dans ces contextes-là, les contribuables allaient être aidés. Donc, dit autrement, leur déduction fiscale, leur, leur déboursée allait être déductible dans leur rapport d'impôt et conséquemment, bien sûr, vont abaisser l'impôt de ces gens-là, des gens qui vivent ces situations-là. Donc, on les a ici. Donc, euh, certaines pensions alimentaires payées sont déductibles. Vous, vous, vous connaissez possiblement la nuance entre une pension payée à mon ex-épouse, qui est déductible, versus une pension payée pour mon enfant, qui, elle, ne serait pas déductible. Des frais de garde d'enfants, dans certains cas, c'est déductible. Des frais de déménagement. Euh, les travailleurs autonomes qui cotisent à la, au RRQ et au RQAP, pour eux, c'est déductible dans le calcul du, de, de leur revenu. La cotisation REER est déductible. En parle, Nicolas en parlait tout à l'heure. Donc, quand je cotise au REER, c'est déductible. Et l'effet miroir, quand je retire de l'argent de mon REER, c'est imposable. Vous avez les deux, les deux miroirs ici, là. la cotisation REER qui est ici et le retrait REER qui est ici. Donc, voilà pour vos principales déductions. C'est bon? Donc, vous allez avoir, bien sûr, à, à, à travailler tout ça dans le code d'aujourd'hui. Vous allez, être, vous allez voir quelqu'un qui, qui, a, qui a gagné ce genre de revenus-là, puis qui a encouru ce genre de dépenses-là. Vous, vous irez voir dans le livre, bien sûr, il y a des nuances. Hein. Ce n'est pas aussi simple que ça n'a l'air. Donc, pour chaque thème, il y a des nuances. Allez, donc, Vous irez voir comme il faut les nuances, les calculs à faire. Mais euh, essentiellement, on va tourner autour de ces thèmes-là euh, aujourd'hui. Donc, si on retourne à notre portail de cours, section documents, ici, vous avez le, le problème à faire pour aujourd'hui. Donc, euh, je vous laisse deux petites minutes regarder ça, ben, plus que deux petites minutes, là, mais je vous laisse le temps de regarder ça. C'est celui qui est dans le portail de cours la semaine 9 ici. On est dans la semaine 9 en ce moment, donc le problème à résoudre de la semaine 9. Allez voir ça, commencez à y répondre, puis je vais vous, euh, vous guider dans quelques minutes. Vous pouvez bien sûr vous rassembler, travailler, vous entraider, c'est très bien de le faire aussi, ça rend, ça rend la chose juste plus agréable. Donc, bon travail. OK, alors on va regarder la solution ensemble. La réponse finale, beaucoup me l'ont donnée correctement. Là, donc, on va regarder ça en détail, bien sûr. Mais euh, Richard, là, ça donnait à peu, à peu près là, 110 000 de revenus, si on ne si considère pas les frais de garde, là, 110 075. Puis sa femme, c'était très facile. C'était juste l'addition de ses deux revenus, du, son revenu d'emploi et son revenu d'assurance-emploi. Pour un total de 37 000 dans son cas à elle. La quoi tu dis? La pension euh, alimentaire, c'est pas. Dans le, en soit, tu te trompes avec, je ne sais pas le nom, il y a beaucoup de femmes, Richard, là, mais là, ça, c'est sa femme actuelle. Fait il ne verse pas une pension alimentaire à sa femme actuelle. Il paye une pension alimentaire à son ex. qui s'appelle Julie, je pense. C'est ça? Fait que si on allait voir le rapport d'impôt de Julie, son ex, effectivement, on verrait. L'inclusion d'une pension alimentaire. Oui, c'est ça, c'est un vieux maïlan, Les blancs de Richard. Là. OK, regardez. Donc, euh, mais je fais encore une fois l'effort avec vous d'aller voir dans le livre où il était question de ça. Ce n'est pas aussi simple. Tu sais, ça a l'air facile de regarder une solution, puis je ne peux pas prendre trois minutes en disant mais c'est facile, on inclut 125, puis on déduit ça, puis on déduit ça, puis on déduit ça. Il y a de l'analyse derrière ça. Il y a de l'analyse. Je suis allé voir dans le livre, je suis allé voir les notions, je suis allé voir les nuances. Puis, ce n'est pas, pas tant le résultat final qui est important pour l'instant, c'est de comprendre ce que vous avez fait pour que, devant un autre problème à l'examen, peut-être qu'il de va des petites variantes différentes à l'examen. Peut-être que la pension alimentaire va être juste pour l'enfant et ne sera pas pour l'ex. Si c'est une pension qui est juste pour l'enfant, ça n'apparaît pas dans le rapport d'impôt. Ce n'est pas déductible, une pension va être payée pour ton propre enfant. Donc, c'est important de comprendre ces nuances-là parce que vous n'aurez pas toujours les mêmes données. Donc, euh, comme, donc, vous comprenez que son revenu d'entreprise est imposable. C'est un, est, est un, est, est un gars qui est travailleur autonome. Ça veut dire que ce gars-là, il ne gagne pas du revenu d'emploi. Donc, la ligne revenu d'emploi est vide pour lui. Son, sa source de revenu pour lui, c'est du revenu d'entreprise. Donc, dans sa déclaration de revenu personnel, c'est pour ça qu'on voit apparaître un montant sur la ligne revenu d'entreprise. Euh, ensuite, il peut déduire certains montants, entre autres des montants de cotisation qu'il a versés au, à la Régie des rentes du Québec et au RQAP, régime québécois d'assurance parentale. Donc ça, ça nous amène à la page 222 du volume. Dans les déductions, bien sûr. Ici, 3.3. Bon, un petit mot sur ces régimes-là, d'accord? Le, la régie des rentes du Québec, c'est pas ça son nom, ça a changé, c'est plutôt le, le régime de rente du Québec, peu importe. Le régime de rente du Québec, le communément appelé de la, la RRQ, ça, c'est un régime de retraite public. C'est le Québec qui gère ça, c'est public, c'est obligatoire. Tous les travailleurs au Québec, peut-être vous avez déjà travaillé, vous l'avez remarqué sur vos payes, tous les travailleurs du Québec sont obligés à, sur chaque paye de prendre une partie de leur argent et de l'envoyer au gouvernement du Québec dans cette caisse-là. Pour leur retraite. Donc, toi, comme employé, tu envoies de l'argent à la, à, sur chacune de tes payes à la Régie des Rentes du Québec. Ce que tu ne vois pas, c'est que ton employeur envoie aussi la même chose. Donc, si toi, tu envoies 102$ à la RRQ, ton employeur envoie aussi 102$ à la RRQ. Il y a les deux qui contribuent, et toi et ton employeur. Tout ça pour mettre des sommes qui vont être gérées par l'État et qui vont être versées à la retraite. Donc, à la retraite, c'est une. Une des sources de revenus qu'on peut espérer recevoir, ce n'est pas un montant énorme, mais on peut recevoir une petite rente du régime de rente du Québec. Le RQAP, c'est un peu le même principe, mais c'est juste un objectif différent. C'est pour financer des, des pas pour financer la retraite, c'est pour financer des congés de maternité ou parentaux, comme j'expliquais. Donc, c'est le même principe, c'est un régime québécois d'assurance parentale. À chaque paye, les employés envoient de l'argent là. Tu ne le vois pas, mais ton employeur envoie aussi de l'argent dans la caisse de RQAP et cet argent-là va te servir à recevoir une prestation si un jour tu as des enfants, tu prends un congé de maternité, tu vas recevoir des prestations de ce régime-là. Ça, c'est la, la, la logique de ces régimes-là pour des employés. Maintenant, la question, c'est comment s'applique ce régime-là à un travailleur indépendant ou un synonyme de travailleur autonome? ou synonyme d'entreprise de individuelle, comme Richard. C'est exactement ça, sa situation, Richard. Lui, il n'est pas employé à nulle part. Donc, est-ce qu'il doit contribuer, est-ce qu'il doit faire des cotisations d'employé? Il n'est pas employé. Est-ce qu'il doit faire des cotisations d'employeur? Il n'est pas employeur. Il n'est ni un ni l'autre. Il est travailleur autonome, il est à son compte, il est en affaires, appelez-le comme vous voulez. Donc, au fin de ce régime-là, de ces deux régimes-là, pardon, les, les, la loi de, de ces régimes-là dit au travailleurs autonome Bien, tu, vas, tu vas cotiser les deux parts, autant à la RRQ ou à RQAP. Donc, tu vas cotiser comme si tu étais employé puis comme si tu étais employeur. Double part. La nuance, c'est que la, la portion payée par Richard, qui correspond à la partie employée, elle, va donner droit à un crédit d'impôt. Donc, plus loin dans le rapport d'impôt, dans la partie rose, dans le calcul de l'impôt. Il y aura un crédit d'impôt comme tous les travailleurs, hein, tous les employés, ce qu'on qu contribue à ces régimes-là nous donnera un crédit d'impôt dans la partie rose du rapport d'impôt. C'est la même chose pour Richard. Ça c'est pour sa portion entre guillemets employée. Sa portion employeur maintenant est déductible. Donc ici on parle d'une déduction pour la portion employeur de tes cotisations à ces deux régimes-là. Donc si je prends le RQAP ici. Le RQAP, c'est deux, les deux cotises, pardon, je, je déparle, au RRQ, au RRQ, les deux cotises égales, la portion de l'employé et la portion de l'employeur sont égales. Donc, si je veux isoler uniquement la portion employeur, je fais quoi? Ben, je prends 50 des cotisations totales versées. Je prends la moitié. Donc, ça, c'est la portion employeur, puis ça, je le déduis ici, dans ma partie bleue. Pour le RQAP, c'est le même principe, c'est juste que ce n'est pas deux parts égales. L'employeur cotise plus que l'employé. Oui, je pense une fois, une fois, un peu plus que l'employé, oui. Donc, on ne peut pas prendre la moitié. Donc, c'est juste un petit calcul différent, mais c'est la même logique. Je prends les cotisations totales versées au RQAP, puis je retranche la portion qui représente ce qui, sa portion employée. Donc, j'enlève le montant qu'il aurait versé s'il avait été un employé. Vous comprenez que par différence, ça va faire ressortir la portion employeur. Donc, c'est ces deux montants-là qui sont déductibles. Donc, ici, je prends la moitié des cotisations versées. On, on vous dit qu'il a versé 5 550 au euh, RQAP au total. J'en déduis la moitié, 2 725. Et ici, pour le RQAP, je fais un petit calcul différent. Je prends le total qu'il a reçu. J'enlève ce qui représente la portion employée. Ça, ça va être déductible ailleurs. Plus tard, ça fait ressortir sa portion employeur. Que je déduis. Question pour ça? Good. La cotisation REER est déductible. Donc, on va en reparler hein, des REER. On va tout, tout, tout comprendre comment ça fonctionne, ces régimes-là. Mais comprenez qu'un régime, un REER, c'est un comme un, un, un fonds dans lequel on peut mettre de l'argent pour notre retraite. La particularité, c'est qu'on est, est à nous, ce fonds-là. Il est à nous, il nous appartient, puis il n'y a personne d'autre que nous qui met de l'argent dedans. C'est pas comme la. C'est le fun, la RRQ, parce que tu en, en mets un montant puis ton employeur en met aussi un montant. C'est encourageant. Mais avec ton REER, tu es seul avec toi-même. Si, si tu veux avoir de l'argent dans ton REER plus tard pour ta retraite, il faut que tu te, tu te, tu te, tu te mettes en action puis que tu mettes de l'argent dans le REER. Donc, si tu le fais, c'est déductible. Chaque dollar que tu mets dans ce régime-là est déductible. Donc, euh, par exemple, dans l'année 2021, en ce moment, si je cotise dans mon REER aujourd'hui le 4%. Novembre 2021, c'est déductible dans mon rapport d'impôt 2021. Je peux aussi, on me donne aussi 60 jours après la fin de l'année pour cotiser au REER et pouvoir le déduire, donc essentiellement deux mois. Ça veut dire que je pourrais aussi cotiser en janvier 2022 et en février 2022, 60 jours, c'est deux mois. Donc jusqu'à la fin février 2022, si je cotise dans mon REER, j'ai droit à une déduction dans mon rapport d'impôt 2021. C'est ça, la beauté. C'est qu'en 2021, tu peux déduire tes cotations effectuées dans l'année 2021 et aussi celles faites dans les 60 premiers jours de l'année suivante. Donc, si je me rappelle bien, dans l'énoncé, on avait les deux. Hein? Euh, donc, euh, ici, oui. Donc, euh, dans l'année 2000X, le 30 juin, il y a mis 1000 pièces, Puis, 15 jours, le 15 janvier, là, dans, le, dans la fameuse période de 60 jours permis il y a mis 6000. C'est pourquoi on peut additionner les deux, les 7000, et les déduire en entier dans le rapport d'impôt de cette année 2021. Donc, donc euh, si une cotisation dans un REER est déductible, bien, vous ne serez pas surpris qu'à la retraite, si on se transpose 35 ans plus tard puis que Richard retire les sommes de ce régime-là, il ne faudra pas être surpris que ce soit imposable. Des retraits REER, c'est imposable, c'est l'effet miroir de la déduction des cotisations. Mais on en reparlera de ça euh, éventuellement. Ensuite, on avait une pension alimentaire qui était versée, qui était déductible au montant de 4 800. Donc, je vais vous montrer dans le volume à quel endroit on parle de ça. D'accord euh, La première chose, il faut bien distinguer une pension alimentaire versée par opposition à le, un partage de patrimoine familial. Ce n'est pas du tout la même chose. Puis souvent, les gens mêlent ça parce que... Ça arrive pas mal en même temps. Quand tu te sépares de, de ton ex-conjoint, conjointe, il euh, arrive plein de choses, il y a plein d'échanges d'argent, puis les gens mêlent ça. Donc, première chose à distinguer, c'est ça. OK? Quand tu te sépares, les lois, le, le Code civil du Québec t'oblige essentiellement là, à te partager moitié-moitié, si tu marié en tout cas, moitié-moitié tous les biens que tu as acquis pendant le mariage. OK? Donc euh, les, les autos, les, les meubles, les, les, évidemment la maison, tout ça, les régimes de retraite, à peu près, il y a beaucoup de, toutes les choses, il y a beaucoup de choses dans le patrimoine familial. Donc ça, au cas où tu te sépares, tu, tu comptabilises combien ça vaut ça, ce patrimoine-là, puis la loi t'oblige à le diviser en deux. Donc si par exemple moi je me sépare de mon ex, puis je dis euh, ben, je garde la maison, mais ben, vous comprenez qu'en contrepartie il faut que je fasse un chèque de la moitié de la valeur de la maison. Si je pars avec un gros actif comme ça. Elle a, elle a le droit à la moitié de la valeur. Donc, c'est pour ça que souvent il y a des échanges d'argent. Ça, pas, ça n'apparaît pas dans le rapport d'impôt. Donc, le fameux 10 000 comme ça qui a été échangé par rapport au, aux au, au partage des biens du passé, ça, ça n'affecte pas une déclaration de revenu. À nulle part. Ce n'est pas un revenu pour personne, ce pas une dépense pour personne. C'est juste qu'on s'est partagé les biens qu'on avait acquis ensemble. À ne pas confondre avec une pension alimentaire. Une pension alimentaire, ça, c'est une autre loi. Une autre loi qui dit qu'après ton divorce... La personne la plus fortunée est tenue d'entretenir l'autre conjoint et son enfant aussi, ou ton, ton propre enfant, si tu as eu des enfants. Donc, il existe une obligation alimentaire envers son ex-conjoint et bien sûr envers son enfant. Donc, après la séparation, il y a une loi aussi qui m'oblige à ça. Si je suis le plus, le plus riche, si c'est moi qui gagne le plus d'argent, le Code civil du Québec va m'obliger à payer une pension alimentaire à mon, euh, mon ex-épouse et peut-être. Peut-être pas, et assurément à mon enfant. Oui? Oui, on a vraiment, le Code civil, je ne suis pas un expert en droit civil, là, mais je le sais. Là, le Code civil t'oblige à, es dans le fond, à assurer à peu près un train de vie similaire à ton ex-épouse. Oui, euh, oui. Ouais. À moins qu'elle se, qu se refasse une vie, qu'elle se retrouve un nouveau conjoint, puis qu'elle augmente ses revenus, mais tu as un peu cette obligation-là. On s'entend, c'est les conjoints mariés, ça. Si tu ne te maries pas, si tu fais juste être conjoint de fait, là, euh, sans te marier, es pas, euh, c est, c est, c est, ces notions-là ne s'appliquent pas à toi. C'est les gens qui ont vraiment fait le choix du mariage. Je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, c'est une excellente question, là, mais il ne faudrait pas qu'un avocat m'écoute. Ce n'est pas, pas ma spécialité, mais c'est quand même ça essentiellement. Donc, euh, je, vous montre dans, donc, euh, je vais aller vous montrer tout ça dans le volume, mais donc les deux pensions alimentaires dans le, pour enfant et pour ton ex, c'est très différent hein, dans, le, dans le rapport d'impôt. Entretenir, je ne vais pas le dire péjorativement, mais payer une pension alimentaire à ton ex-époux-épouse, ça, ça va être déductible. Donc, toi, tu vas pouvoir, pour toi, c'est une dépense que tu peux déduire, puis ton épouse qui reçoit le montant, elle, va devoir l'inclure dans son rapport d'impôt. Donc, ici, Richard, le 4800 qu'il verse à son ex, il va pouvoir la déduire. Le déduire. Donc, euh, c'est 400$ par mois pendant 12 mois, 4800 déductibles. Le rapport d'impôt de son ex, on ne le voit pas, mais si on a Julie, si on allait voir le rapport d'impôt de son ex, vous comprenez qu'on verrait un plus 4800$. Tout le monde, tout le monde est à l'aise avec ça? La portion enfant, ça, ce n'est pas déductible. OK? Donc, euh, c'est dans le fond, la loi, le législateur dit c c quand tu payes une pension pour ton enfant, c'est juste normal. Là. C'est ton enfant, tu dois, tu dois le faire vivre, tu dois assu lui assurer un certain niveau de revenu. Donc, ce n'est pas la même chose qu'entretenir un ex-conjoint. C'est ton propre enfant. Puis, euh, c'est tout à fait normal que tu subviennes à ses besoins, puis ça n'apparaîtra pas dans ton rapport d'impôt. Donc, ce, donc, ces paiements-là, pour le, le 200, la portion enfant, ici, quand elle, ne sera pas déductible. Vous savez, les, les jugements, quand, quand on, si, on, si on va devant un juge pour euh, décider une pension alimentaire, les juges vont toujours donner la séparation. Les juges vont toujours dire, là, je fixe la pension alimentaire à 625 par mois, 400 est pour l'ex-conjoint, 225 est pour l'enfant, parce que le juge sait très bien que dans le rapport d'impôt, il va falloir faire la distinction entre les deux. Donc, c'est toujours très bien séparé. Donc, c'est pour ça qu'on a ici un… Euh, pardon une déduction de 4800. Vous remarquez que ici, j'ai juste considéré l'année courante. Ça fait 12 ans que Richard paye des pensions à chaque année. Okay? Puis dans l'énoncé, on vous disait que Richard n'avait jamais pris de retard dans sa pension alimentaire. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-ci... Compte tenu que c'est énoncé qu'il n'a jamais pris de retard dans la pension alimentaire, on n'est pas obligé de faire un calcul cumulatif sur plusieurs années. Juste prendre l'année courante, c'est correct. Mais vous imaginez bien qu'un gars ou une fille qui est un mauvais payeur, qui est en retard dans ses pensions alimentaires, que ça fait 12 ans qu'il doit des pensions alimentaires à son ex et à son enfant, puis qu'il ne paye pas ou qu'il les paye seulement en partie. Donc, imaginez quelqu'un qui aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard de pension sur son propre enfant. C'est à moins que des choses de donner de l'argent à ton enfant. Là. Imaginez qu'il est en. Je ne fais pas de commentaire de ce que j'en pense, là, mais il est en retard là-dedans. Donc, il y a plein, plein de pensions non déductibles qu'il n'a même pas fait dans le passé. Et là, cette année, le gars verserait. Euh, les, des montants corrects. Là. Il, paye, il verserait 7500 au complet. Pensez-vous qu'on irait lui dire bah ben oui, pas de problème, Richard, tu peux déduire ton 4800 ou on ne lui dirait pas hey, ça, là, avant de, de prétendre que c'est ta portion déductible est-ce que ça, ça ne devrait pas plutôt aller combler les retards que tu as pris sur tes pensions pour ton enfant, qui sont justement non déductibles? Ça. Donc, si, donc, à partir du moment qu'un payeur a du retard dans ses paiements de pension, là, on ne peut plus juste surfer sur les données de l'année courante. Il y a un peu une obligation de faire un calcul cumulatif. D'accord? Ici, je l'ai fait juste pour le démontrer, le calcul cumulatif. D'accord? Ça donne évidemment le même résultat pour la raison que j'explique depuis tout à l'heure. Richard n'a pas pris de retard. Euh, le calcul, les, 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 la, 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 la formule, c'est A moins B plus C. Vous avez ça dans le livre. A, c'est sur une base cumulative, donc depuis le tout début des paiements de pension jusqu'à la fin de ton année courante. Donc pour Richard, c'est 12 ans. La lettre A, c'est pour tes 12 années. Additionne toutes les pensions alimentaires que tu as versées. Donc 12 ans x 12 mois x 625 par mois. Ça, c'est la lettre A. Lettre B, fais le même calcul cumulatif sur 12 ans, mais en ne considérant uniquement la portion que tu dois. Pour ton enfant. Donc, isole dans la lettre B, sur les 12 ans encore une fois, le les mêmes paiements, mais seulement en isolant la portion que tu dois pour ton enfant. Donc, 12 ans x 12 mois x 225 cette fois-ci. La lettre B vaut 32 400. La lettre C, fais encore, une fais encore un cumulatif depuis le début, mais arrête-toi à l'année précédente. Ne prends pas l'année courante. Donc, je veux savoir toutes les pensions que tu as versées dans les années précédentes, sans tenir compte de l'année courante, donc 11 ans, toutes les pensions que tu as déduites dans le passé. Donc, lui, comme il a toujours été à jour, ça fait 11 ans qu'il a versé, fois 12 mois, d'accord, fois le 400 ici qu'il a déduit à chaque année. Pendant les 11 ans qu'il a là, ce 400-là, il l'a toujours déduit. Ça, c'est la valeur de la lettre C. Donc, votre formule, sur une base cumulative, va donner le même résultat. Parce qu'il n'a pas pris de retard. Voulez-vous que je montre, ça ressemble à quoi un rapport d'impôt de quelqu'un qui a repris un, du retard? Je vais vous montrer ça. On a ça dans le livre. Méchant retard. Je suis à la page 239. Donc, je ne vous le dis pas complet, là, mais ce gars-là, il faut qu'il paye 500 par mois depuis trois ans. Il okay, fait trois ans qu'il doit payer 500 par mois. Les juges ont dit qu'il euh, y a 400 pour, qui ton en, pour ton enfant, 100 pour ton ex. Donc, une pension de 500, le, le 400 pour enfant, 100 pour ton ex. Ça fait trois ans que ce gars-là doit le payer. Il est toujours en retard, toujours en retard. L'année passée, euh, il a fait des versements de... Ah, Ce pas un bon exemple, plus pas un mauvais payeur. C'est l'autre exemple. Excusez, il est ici mon mauvais payeur. Ah, c'est ça. C'est la même histoire, là, 500$ par mois, mais là, lui, lui c'est vraiment horrible son affaire. La première année, au lieu de verser 500$, il verse 300$. La deuxième année, au lieu de verser 500$, comme le juge l'exigeait, il verse 250$. Là, la troisième année, là, il commence à avoir de la pression. Là. Son employeur commence à lui en parler, tout ça. Il fait des saisies, des saisies sur son salaire, blablabla. La dernière année, OK, il se redresse. Il verse ses 12 paiements de 500, donc il verse 6 000. En plus, il verse un, un 8 000, d'accord? Donc, un 2 000 pour combler son retard. Donc, au total, dans la dernière année, il verse 8 000, OK? Je ne ferai pas le calcul au complet avec vous, juste attirer votre attention sur les chiffres, comment c'est impressionnant. Ok Donc, ce gars-là, quand il fait son rapport d'impôt pour 2021, là, il a versé 8 000 de pension. Il s'attend peut-être à avoir une grosse déduction, mais écoutez, il avait payé 8 000. Ben, il y a tellement de retard qu'il y a 200 piastres de déduction. Je vais voir le calcul. Là. Ce gars-là a décaissé 8 000 piastres dans l'année. Il y a 200 piastres de déduction. Parce qu'avant de lui accorder une pièce de déduction. On s'assure que tous ces retards ont été payés. Donc, son 8 000, là, en premier, il s'en va sur tous ses retards qu'il a eu de paiement sur son enfant, évidemment, pour lequel il n'y a pas de déduction. Fait il faut croire qu'il y avait du retard pour, euh, à la hauteur d'à peu près 7 800, parce que sur 8 000, il y en a 7 800 de pas déductibles. Il se ramasse avec 200 pièces de déduction. C'est à ça qu'elle sert la formule. Sans la formule cumulative A-B sur C, tu ne serais pas capable de traiter les retards, les, bien les pensions versées par des retardateurs, par des gens qui, payent, qui sont en retard. Mais si votre, je répète une dernière fois, si votre contribuable n'a pas de retard, la pension, de faire le calcul cumulatif ce n'est pas nécessaire. Vous allez arriver de toute façon au même résultat que de prendre seulement les données de l'année courante. Oui, Natacha euh, Non, les années qui payaient pas, les, les, les années où ils payaient pas toutes. La, on présumait qu'il payait en premier la portion enfant, puis on présumait que la portion sur conjoint était manquante. Mais, mais il y avait tellement de retard, il ne comblait même pas sa portion enfant. Juste sa portion enfant, c'était 400 par mois. Il ne l'a jamais comblée. Il versait 300, puis après ça, 250. Fait qu il, il a accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard sur ses portions enfants. C'est pourquoi cette année, sur 8 000 de, de, de paiement, il n'y a à peu, près, à peu près rien de déductible. Euh, donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les pensions si on veut finir avec ce sujet-là? Euh, donc euh, voilà. Pas mal tout dit, je pense. Ça. Donc, gardez l'arbre de décision, c'est assez clair. Là. La portion pour enfants imposable, déductible, portion pour euh, euh, non, pardon, non imposable, non déductible, puis la portion pour l'ex imposable, déductible. Donc, gardez cet arbre de décision-là sous les yeux. Puis à l'examen, appliquez ça, sur, euh, vérifiez s'il y a du retard, de, puis si vous avez bien, si bien indiqué que le payeur n'est pas en retard dans ses paiements inutile de faire une formule sur une base de, de cumulatif. OK pour ça. Ensuite, ben voilà pour Richard. On ne fait pas les frais de garde, puis je termine avant la pause en vous parlant de Geneviève qui avait du revenu d'emploi et du revenu d'assurance-emploi de 19 000. Je vais vous montrer ça dans le volume. La fameuse assurance-emploi, donc je, me, je reviens au début de mon sujet, là. Donc, on disait que dans les autres revenus, je vais en faire quelques-uns ici, là, tant qu'à être là, ça va être fait. Donc, sont imposables les sommes reçues d'un fonds de pension d'employeur. OK, donc ici, là, je sais que ce n'est pas ça dont on parle en ce moment, mais tant qu'à être là, je vais les régler là. Donc, si je suis à la retraite, comme vos parents, peut-être qui ont travaillé leur vie comme fonctionnaire ou dans une, dans une grosse compagnie pour laquelle ils avaient un fonds de pension. Donc, si tu as eu la chance de contribuer à un fonds de pension d'employeur, bien sûr, l'employeur contribuait aussi et que rendu à la retraite, tu reçois des montants du fonds de pension d'employeur, tu dois t'imposer dessus. Euh, il faut aussi s'imposer sur les montants que l'on reçoit de la sécurité de la vieillesse. Donc, le, il existe un régime fédéral. Ça s'appelle la pension de la sécurité de la vieillesse. C'est un régime qui, qui, est, qui, 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 qui est mis en place par le gouvernement du Canada. Tous les Canadiens à l'âge de 65 ans encaissent une PSV, une pension de la sécurité de la vieillesse. Donc, on s'impose dessus. Ce n'est pas des gros montants, c'est 5, 6, 7 000 par année, peut-être. Donc, on ne vit pas avec ça, mais c'est mieux que rien. Ça, on n'a pas besoin de contribuer. Hein. Ce n'est pas comme la RRQ où il faut avoir mis de l'argent dedans pour y avoir droit. C'est universel. Tout le monde a le droit à son, à son chèque de pension, c'est l'expression, à 65 ans. Euh, le, régime, le régime des rentes du Québec, j'en parlais tout à l'heure, la, la RRQ. Donc, euh, on cotise à la RRQ. Les employeurs cotisent à la RRQ. Et quand on arrive à la retraite, quand on retire des sommes, on doit s'imposer dessus. Euh, Ce n'est pas de ça qu'il est question, bien sûr, pour. Euh, on va aller vous le montrer tout de suite là, le... ici. Donc, euh, 2, 1, 4. Donc, sont imposables les prestations d'assurance emploi et d'assurance parentale. Donc, c'est ce qui est arrivé pour Geneviève. L'assurance emploi, c'est un régime fédéral qui prévoit que si tu perds ton emploi, si, si tu vraiment, tu, tu, pas que tu le quittes, tu as perdu ton emploi malencontreusement. Bien, donc, tu peux, Ce régime-là va te prévoir des, des paiements, des, des prestations pendant un certain nombre de semaines, le temps que tu te retrouves un autre emploi. Donc, ça, quand on reçoit ça, c'est imposable. Et l'assurance parentale, j'en ai parlé, le fameux RQAP, le régime québécois d'assurance parentale. Donc, on, on, on met de l'argent dans ce régime-là, l'employeur et nous. Et quand on reçoit des sommes, c'est imposable. Donc, assurance emploi sont à inclure, RQAP sont inclus. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le 19 000 pour euh, pour Geneviève. Est-ce qu'il y a des questions sur la résolution du cours qu'on vient de faire jusqu'à maintenant? Good. Donc, le fichier va être disponible après le, après le cours, bien sûr. Donc, je vous laisse aller à la pause, on prend une quinzaine de minutes. On va s'attaquer à la portion frais de garde d'enfants euh, à votre retour. À tantôt. S'il vous plaît, on prend 15 minutes. Je vais recommencer à et 5, 10h05, s'il vous plaît. Alors, on va regarder la, la solution ensemble, solution complète et finale. Je... Donc, les frais de garde, on a ça à 3.9 de votre, de votre sujet 5. D'accord Je ne lirai pas tout là. Je veux juste attirer votre attention parce qu'un sujet c'est, vous l'avez vu là, assez com complet. J'ai d'attirer votre attention sur l'essentiel. Donc, euh, on a quelques définitions. C'est quoi un enfant admissible? Euh, surtout l'âge. Je l'ai-tu mis là? Est-ce je... que cela est 16 ans ou moins? Donc, si tu veux, on, quand on parle de frais de garde pour un enfant qu'on peut déduire dans notre déclaration de revenus, il faut que l'enfant ait 16 ans ou moins ou qu'il soit handicapé. Faut, donc, on, ça inclut autant les, les garderies. Donc euh, tous les CPE garderies subventionnées, gardes en milieu scolaire, donc des fois ton enfant est au primaire, il va, va au service de garde le matin, le midi, après l'école, Pensionnats, colonies de vacances, des camps de jour, donc ça prend différentes formes. L'idée c'est que quelqu'un s'occupe de ton enfant et bien sûr il faut que ça soit pour que toi tu aies gagné un revenu ou que tu aies aux études. Donc on parle pas de frais de garde parce que tu vas être tranquille l'été puis te reposer. On parle de, de journée où tu fais garder l'enfant parce que tu vas aller gagner un revenu. Donc, soit tu vas gagner un revenu d'emploi, tu opères une entreprise, ou si tu es étudiant, c'est correct aussi. Si tu pourrais déduire des frais de garde que tu as en cours dans le but d'aller étudier, ça aussi, c'est un, un contexte qui est accepté. Euh, tu veux dire que tu, tu payes une place de garderie sans aller travailler parce que puis tu ne travailles pas? Non, si tu, payes une, si tu payes des frais de garderie et que tu ne vas pas travailler, c'est techniquement, ces journées-là ne sont pas déductibles. Okay, euh, bon, les, limites, les limites annuelles que l'on va les avoir, on aura de besoin dans, la, dans le calcul. Ok, Premier, pre, premier constat important. Les frais de garde payés par un couple, on les met, on les additionne ensemble. Ce okay? c'est pas une, pas des frais de garde, les, on doit pas calculer cette chose-là personne par personne en disant madame a payé des frais de garde pour, pour le plus vieux, monsieur a payé les frais de garde pour le plus jeune, aucune importance. On met tout ça ensemble. Donc dans notre cas, nous les deux qu'on a dit les deux montants, ça donne 5 975, les deux frais de garde additionnés. La question, qui va déduire ce montant-là Quel conjoint voilà, la loi de l'impôt est claire, il n'y a, a aucune nuance. La règle générale dit, cette déduction-là doit obligatoirement être placée dans la déclaration de revenus de la personne qui a le revenu le plus faible. Dans notre cas, c'est Geneviève. Est-ce que tout le monde comprend l'enjeu relié à ça? Ce serait pas mal plus payant que la déduction soit placée dans le rapport d'impôt de Richard. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Quelqu'un qui, quelqu qui a un revenu élevé, donc qui va avoir un revenu imposable élevé comme Richard. Quand ça va être le temps d'appliquer les taux d'imposition progressifs là, dans la dernière partie de la déclaration de revenus, vous comprenez que Richard, il va atteindre des taux d'imposition qui sont très élevés, des taux d'imposition beaucoup plus élevés que ceux de Geneviève. Donc Richard, si lui pouvait abaisser son revenu imposable avec une déduction pour frais de garde, ça lui ferait économiser des taux d'impôt très élevés, par opposition à la même déduction que tu places dans la déclaration de revenus de quelqu'un qui va atteindre des taux d'impôt plus bas. Donc, lui, abaisser un revenu qui était assujetti à un taux d'impôt plus bas, c'est moins payant. La déduction n'a pas la même valeur pour tout le monde. En, en prenant, Prenez des chiffres simples. Le plus haut taux de la table d'impôt, vous rappelez-vous, c'est quoi? Non, on fait ça vite. 15, 20, 30, 22, 26, 29, 33. Donc, les gens qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de revenus, ils, ont, ils payent 33 d'impôt. Donc, eux, quand ils ont une déduction dans leur revenu qui abaisse leur revenu, ils sauvent 33 d'impôt. Sur la déduction, sur le montant de la déduction. La même déduction, si tu la places dans le rapport d'impôt d'une personne qui va atteindre le deuxième palier, 20,5 ben lui, va sauver 20,5 sur la déduction. Vous comprenez que la déduction n'a pas la même valeur dépendamment dans quel rapport d'impôt on la place. Donc, ceci étant dit, vous comprenez que le législateur ne te donne pas le choix. S'il donnait le choix, c'est sûr que Richard dirait Va la prendre, moi, la déduction, ça va être plus payant. Mais non, la règle générale, il n'y a, a pas de déduction possible. Ceci étant dit, il y a des exceptions. Il y a des contextes où Geneviève peut transférer un certain montant de la déduction vers Richard. Quatre contextes, vous les avez au tableau en ce moment. Donc, les quatre contextes sont ceux-là ici. Si pendant l'année, euh, Geneviève a été hospitalisée en prison ou aux études, temps partiel ou temps plein, c'est quatre contextes qui permettent de transférer. Une partie du 5975 vers Richard. Est-ce que c'est avantageux pour ce couple-là, ce transfert-là, avec ce que je viens de dire tout à l'heure? Bien sûr que c'est avantageux. Prends-le, prends ce cadeau-là. Là. Ça, ça va être beaucoup plus payant pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Ce 4800-là, ici, va être pas mal plus payant dans le rapport d'impôt de Richard qu'il l'aurait été dans celui de Geneviève. Vous voyez ici, ça, c'est les montants qu'on peut transférer. Donc, pour chaque semaine où Geneviève était hospitalisée en prison ou aux études à temps plein, elle peut transférer 125 dollars par semaine pour un enfant de 7 à 16 ans. Je ne me rappelle pas par cœur à quel âge ils avaient leurs enfants. Hein. Geneviève, c'était... Il, en a... Il y en avait un dans cette branche-là ici, puis un ici, c'est ça? OK, merci. Donc, pour un enfant, c'est 125 par semaine dans le cas, dans le, dans le cas de ce couple-là. Puis pour leur autre enfant, c'est 200 dollars par semaine. Le troisième cas, s'applique n'applique pas. Donc, si on additionne les deux, ça veut dire que pour un, une pro, un profil de famille comme la leur, Richard et Geneviève avec leurs deux enfants, c'est 325 dollars par semaine où elle était aux études à temps plein qui est transférable. 15 semaines, Geneviève a fait des études à temps plein avec 15 semaines, je pense. Donc, vous comprenez que le transfert, ça va être 15 semaines fois… 325. 125 pour un enfant, 200 pour l'autre. Si Geneviève avait fait des études à temps partiel, ce serait la même logique, mais le transfert il est moins généreux parce que c'est moins prenant. C'est moins prenant pour quelqu'un faire des études à temps partiel. Donc là, on est moins généreux sur le transfert. Vous voyez, ce n'est pas 125 par semaine, c'est 125 par mois. Ça fait que le transfert il est pas mal moins facile, pas mal moins rapide parce que ça prend un mois d'études à temps partiel pour équivaloir une semaine d'études à temps plein. Donc, ici, c'est les mêmes montants, mais ce n'est pas par semaine, c'est par mois. Donc, ça, c'est pour des études à temps partiel. Ça ne s'appliquait pas dans le cas de Geneviève. Et ici, vous avez les fameuses formules à appliquer. Je suis à la page 232, c'est ce qu'on va aller voir. Donc, ça, c'est le calcul de la déduction pour Geneviève. Et ça, c'est le calcul de la déduction pour Richard. Vous comprenez que très souvent, ça donne zéro, ça, ici, là. Si Geneviève n'avait pas été à l'école, ni en prison, ni hospitalisé. Pour vous calculer tout ça pour Richard, je vous l'annonce que ça va donner. Ça va donner quoi? Zéro. C'est clair qu'il n'y a aucun transfert possible pour Richard si elle n'a pas été dans ces, dans ces quatre contextes-là. Le quatrième élément ici va donner zéro. Mais, dans, mais sinon, comme, comme dans notre cas, là, on va aller prendre une partie de la déduction pour Richard qui va venir bien sûr se réduire sur celle de, euh, de Geneviève, parce que c'est un transfert. Donc, si on regarde ça avec nos chiffres, c'est un calcul un peu technique. Là. Donc, on commence par le calcul de Richard. Richard, je vous rappelle qu'il peut déduire 4 grâce à ce fameux transfert-là. Le calcul pour Richard, c'est le moins de quatre choses. C'est ici. J'ai copié exactement la formule dans, dans, les, dans le livre. Je n'ai rien inventé. Premier élément, le total des frais de garde pour tes enfants, 5 975. Deuxième élément, c'est quoi la limite annuelle? Donc, par année, c'est quoi le maximum pour chacun de tes deux enfants? On a ça ici, on l'a vu tout à l'heure, là. Ici, là. Donc, euh, pour un enfant de 7 à 16 ans, le maximum, c'est 5 000 par année. Ici, 8 000. Donc, pour notre famille, nous, avec euh, un de chaque, 5 plus 8, ça fait une limite de 13 000. Troisième élément pour Richard, deux tiers de ton revenu gagné. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça là. Deux tiers du re le revenu gagné, c'est ton revenu actif. C'est du revenu d'emploi, du revenu d'entreprise, mais ça ne comprend pas euh, des revenus de placement, ça ne comprend pas des revenus d'assurance-emploi non plus. Mais donc, nous, Richard, c'est un gars qui a, fait, qui, avait, qui a fait du 125 000 de revenu d'entreprise. Donc, deux tiers de son revenu, euh, on appelle ça du revenu gagné, c'est le revenu actif, 83 000 en masse élevée. Et le quatrième montant, c'est lui le plus intéressant. Voilà. Quelle portion va être transférable? Bien, première question, combien de semaines ta blonde a été aux études à temps plein ou en prison ou à l'IT? 15. Multiplié par le, la, le, le, le taux de transfert qu'on a vu tout à l'heure dans le livre. Donc, 200$ par semaine pour Alex et Félix, 125$ par semaine. Donc, pour un total de 325$ par semaine, fois 15 semaines. Donc, c'est ce qui donne un transfert de 4 vous comprenez que Madame va perdre ce 4 875-là. Il ne se prendra pas aux deux endroits. Il est bien sûr déplacé, mais on comprend aussi que c'est un déplacement qui est avantageux. J'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure. Oui, Marie-Ève. Oui, c'est un calcul qui est entièrement global. Ce n'est pas un calcul qui est par enfant. Donc, je prends tous mes frais de garde payés globalement. Je prends mon, ma limite annuelle globale, je prends mon revenu gagné et je prends mon transfert sur une base globale. Ce n'est pas, une, une pas un calcul qui est par enfant. C'est une bonne question, Marie-Ève. Je te remercie. Donc, on va aller voir la, le même calcul, mais pour Geneviève. soyez pas surpris qu'elle va, va, elle va perdre. Elle va perdre. Elle va le perdre elle va, en guillemets, elle va perdre 4875. Ce n'est pas surprenant, mais pas, on comprend que c'est une bonne chose en finalité. Donc, le même calcul pour Geneviève. 5 975, la limite annuelle pour ses deux enfants, 13 000, ça ne change pas. Deux tiers du revenu gagné, mais pour Geneviève maintenant, pas le 125 000 de Richard. C'est quoi son revenu gagné à elle? C'est quoi ses revenus actifs? C'est son salaire. C'est 18 000 de salaire. Son assurance-emploi ne rentre pas là-dedans. C'est salaire-revenu d'entreprise. Tu ne mets, tu mets pas les revenus passifs, tu mets vraiment les revenus de travailleurs que t es, t es, t es. C'est un peu ça l'esprit du revenu gagné, c'est d'aller chercher les revenus gagnés pour vrai là, en travaillant pour vrai. Je, on peut dire ça comme ça. Mais bon, voilà. Donc, deux tiers de 18 000, 12 000. Donc, le moindre des trois, c'est 5 neuf, duquel je retranche ce qu'elle qu a transféré à son conjoint. Donc, il lui reste pour elle seulement 1 100. Des questions par rapport à ça? Donc, quand il y a un transfert possible, un, le, vous comprenez que le, le problème est un petit peu plus difficile à résoudre. Si je vous avais donné le même problème, mais sans qu'il y ait de transfert possible, vous comprenez que le 5975 aurait été déduit entièrement par Geneviève. Puis ça aurait été assez simple en soi comme problème. Là. Donc, le transfert, c'est la, la complexité, si on veut, au niveau des frais de garde. Donc, là, je pense que j'ai tout dit là. là la règle générale déductible par Geneviève et les exceptions dans des cas d'hospitalisation, prison ou études. Bon, ben c'est bien beau tout ça. Je vais, donc, pour le problème, ça fait le tour. Euh, il va me rester une petite partie théorique à vous montrer dans le volume des thèmes du sujet 5 qui n'ont pas été vus dans le problème. Voulez-vous avoir accès au solutionnaire ou si vous pouvez attendre à trois heures? Parfait, ça. Tant pis pour ceux qui ne répondent pas. Donc, à trois heures, vous comprenez, là, à, la, à la fin de mon deuxième cours, le solutionnaire que vous venez de voir à l'écran va être disponible. Donc, allez voir ça tranquillement si vous en sortez le besoin. OK, ben je retourne. Je prends, il me reste à peu près une trentaine de minutes pour passer à travers le reste des sujets. Qu'est-ce qu'il y a dans le sujet 5 qu'on n'a pas vu encore Je reviens complètement au départ ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le sujet 5 qu'on n'a pas traité encore On commence par les revenus, bien sûr. Donc, euh, j'en ai parlé. Ben, on voit les, les, les couleurs, là, j'en vois le, le barbeau, les barbeaux. Ces choses-là ont été vues. Oui, ouais, je vais en parler. Une allocation de retraite. On a, donc, ça, c'est un montant qui est aussi imposable quand on le reçoit. D'accord? C'est bien bien spécifique, on a la définition ici. Une allocation de retraite, c'est un montant qu'un employeur te donne, un ex-employeur te, te donne pour te dédommager. D'accord? Donc, par exemple, parce qu'il te fait perdre ton emploi. Donc, si tu perds, ton, tu perds ton emploi, ton employeur est bien malheureux, on comprend que c des, souvent c'est des, des emplois. De, avec beaucoup de responsabilités, des emplois de dirigeants, par exemple. Puis l'employeur dit, bon, ben, je vais te donner six mois de salaire, ou je vais te donner un an de salaire, ou je vais te donner un montant de, de 100 000 vu que je t'ai fait perdre ton emploi. Ou aussi, des fois, c'est versé à la, vraiment euh, à, quand on quitte en reconnaissance de, non, de nos de des longs états de service. Donc, il y a des employeurs, quand tu quittes après 30, 35 ans, à l'emploi d'entreprise, de il va te dire ben, super, tu es un bon employé, merci, puis je te donne un montant de 40 000 au moment de ton départ. Donc, quand un employeur te donne un montant d'argent suite à ton départ, soit à la retraite ou soit parce qu'il te fait perdre, tu perdu ton emploi, c'est ça qu'on appelle une allocation de retraite. Okay? Ça, c'est imposable. La, la seule nuance par rapport à ça, c'est qu'il y a une partie de l'allocation de retraite qui va être transférable dans ton REER. Donc, si tu le souhaites, tu pourrais prendre une partie de l'allocation de retraite puis de la mettre directement dans ton REER. Et conséquemment, tu aurais une déduction pour cette cotisation-là, ce transfert-là que tu as fait dans ton REER. Peut-être là, en ce moment, vous ne connaissez pas exactement comment ça fonctionne les REER. Vous allez me dire il n'y a rien de nouveau. Tout le monde peut faire une cotisation à son REER. Qu'est-ce qu'il y a de particulier quand je reçois une allocation de retraite? Pourquoi c'est si beau de c'est présenté comme un avantage de pouvoir le transférer à son REER? Juste écoutez moi ma, ma petite explication suivante. Quand on va étudier les REER, vous allez comprendre quelque chose c'est que mettre de l'argent dans son REER, c'est un méchant privilège. Okay? On, on en reparlera là, le sujet vite porte là-dessus. C'est un, un méchant bel outil pour reporter de l'impôt. Mais il y a des maximums. Tu ne peux pas cotiser à ton REER de façon illimitée. Essentiellement, c'est 18 de tes revenus à chaque année que tu peux mettre dans ton REER. Les gens fortunés, là, ils n'en ont plus de place dans leur REER. Tout ce qu'ils pouvaient, n'importe qui qui est moindrement bien conseillé par un, un comptable ou un fiscaliste va se faire dire mettre de l'argent dans tes C'est Ce n'est pas un piège, c'est un, vraiment une belle opportunité. Donc, les gens qui sont fortunés, qui ont beaucoup d'argent, peux-tu vous dire que ça fait longtemps qu'ils sont pleins les READ? Le 18 de cotisation de leurs revenus qu'ils pouvaient mettre dans le REER à chaque année, ça fait longtemps que c'est fait. Donc, ces gens-là ne peuvent plus mettre de l'argent dans leur READ. Ça, c'est la réalité des gens un peu fortunés. Donc, on vient leur donner ici un droit de cotisation supplémentaire. Quand tu reçois une allocation de retraite, puis que je te dis que tu peux le transférer à ton REER, tu n'as pas besoin d'avoir des droits de cotiser disponibles ou ça ne grugera pas tes droits de cotiser disponibles. C'est en plus. Donc, tu viens, tu viens, là, tout d'un coup, contrairement à tous les autres Canadiens, toi, tu peux mettre plus d'argent dans ton REER que n'importe qui d'autre parce que tu as reçu une allocation de retraite. Le transfert, c'est pour chaque Ça a comme fini en 1996. Là. Donc, là, vous l'avez ici le transfert possible c'est 2000 pour chaque année de service avant 96. Donc, tu dois, pour chaque année où tu as travaillé avant 96, fait, malheureusement, il faut arrêter 195 tu calcules toutes tes années de travail avant 96 et c'est 2000 pièces par année que tu peux mettre dans ton REER. Si tu as des années de service avant 89, tu rajoutes 1500 Donc, pour les années de service avant 89, c est, c est, dans le fond, c'est 2 000 plus 1 on le voit ici, là. Puis à partir de, pour les années de service, de 89 à 96, c'est seulement 2000 Et après 80, à partir de 1996, il n'y a plus de transfert possible au REER. Donc, vous comprenez que si vous avez un parent qui quitte son emploi prochainement, puis qui reçoit une allocation de retraite de son employeur, bien possiblement que votre parent va pouvoir le transférer au REER Parce que possiblement que lui, à l'âge qu'il a, votre parent, il a des années de service avant 96. Mais vous, quand vous allez prendre votre retraite en 2061 là, quelque chose du genre ou en 2060, puis que si votre employeur vous laisse vous verse une allocation de retraite en 2060, vous allez vous revirer vous allez dire bon j'ai tu des années de service avant 1996, la réponse ça va être non. Donc vous comprenez que ça tend à disparaître. Des gens qui ont c'est une règle qui, qui, qui est là, elle existe encore pour les gens un peu plus âgés, mais ça, 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 va, ça va devenir de plus en plus rare des gens qui ont des années de service avant 96. Regardez un petit exemple ici, là Rapidement, Julien, il a reçu une allocation de retraite, 50 000. Vous voyez les années de service, il y a 86 à 2021. Donc, le 50 000, il s'impose dessus. Ça, c'est sûr. Maintenant, Julien, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais voici ce qu'on te propose. Si tu veux, on pourrait prendre une partie de ton 50 000 puis le transférer dans tes REER, sans gruger tes droits de cotiser, sans affecter tes droits de cotiser normal. Tu peux y transférer le montant que tu veux. 1 dollar, 10 dollars, 1000 dollars, 2000 dollars, c'est toi qui décide. Mais il y a un maximum. Le maximum c'est 2000 dollars pour chaque année de service avant 96. Donc lui il a commencé à travailler en 86. Donc 86, 87, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça finit en 95. Avant 96. Donc 10 ans. Donc ça fait 20000. Et est-ce qu'il a des années de service avant 89? 6, 7, 8. Il y a trois années de service avant 89. Donc, on rajoute trois fois 1 500, ça fait 4 500. Donc, le montant maximum qu'il peut transférer, 24 500. Il n'est pas obligé. S'il dit, moi, je moi, je conseillerais de le faire. S'il décide de le faire, évidemment, il va, de ce 24 000 -là, il va, 500, il va l'envoyer dans son REER il va pouvoir le déduire. Donc, bien sûr, il va pouvoir le déduire et il va en finalité, finalité s'imposer sur 50 000 moins la déduction réelle. Oui, euh, rappelle-moi ton prénom. Marianne, je t'écoute. C'est 18 de ton revenu à chaque année, puis il y a une limite. C'est à, euh, à peu près 27 000 par année, le maximum. Donc, c'est donc 18 de ton revenu, mais qu un donné, quand, quand tu deviens très, très, très fortuné, que tu fais un immense revenu, les joueurs qui font 5 millions. Ils ne peuvent pas mettre 18 de 5 millions. C'est maximum 27 000 par année. Oui, par année. Pendant quand tu es fortuné, c'est 27 000 par année pendant toute ta vie. On va le voir dans le sujet vite. Euh, mais vous comprenez que ça, c'est en plus. C'est magnifique. Prestation constructive au décès. Encore une fois, c'est une somme versée par l'ex-employeur, mais cette fois-ci, ce n'est pas parce que tu as quitté l'emploi ou qu'il parce qu'il veut te remercier de tes lances de service, est parce que c'est décédé. Donc, ce n'est pas à toi qui va le verser, dans le fond, ça va être à ta succession ou à tes héritiers. Donc, une prestation constructive au décès, c'est un montant que l'employeur verse aux héritiers là, suite au décès de l'employé. Donc, ça aussi, c'est imposable, mais il y a une exemption de 10 000 Donc, le premier 10 000 qui est versé n'est pas imposable. Le reste est imposable. Donc, si l'employeur versait 12 000 suite au décès d'un employé, ben, on en imposerait juste 2 000, 12 moins l'exemption de 10. Euh, vous avez ici un petit exemple, vous le ferez, là, mais juste pour vous montrer. Qui, qui peut utiliser l'exemption de 10 000 Imaginez que l'employeur verse un montant à, à la veuve, la, la femme de, de l'employé décédé, puis verse aussi un montant aux enfants. Donc, chacun, le 12 000, il est séparé, c'est un peu ça mon exemple, là. un peu à la femme, un peu à, à, au premier enfant, un peu au deuxième, un peu au troisième enfant. Premièrement, ce n'est pas 10 000 d'exemption chacun, c'est un 10 000 au total. Puis la loi prévoit que c'est obligatoirement le conjoint qui doit prendre l'exemption en premier. Donc, le con, la conjointe, la veuve, qui reçoit un montant, elle, elle prend l'exemption en premier. Si le reste de l'exemption, après qu'elle ait pris ce qu'elle avait besoin, le reste de l'exemption, sera euh, réparti entre les autres bénéficiaires. Mais il y a vraiment une priorité qui est accordée au conjoint. Un petit un exemple, si vous pourriez regarder par vous-même, qui illustre cette situation-là. Est-ce qu'il y a un est pas le conjoint en est que les enfants pas Évidemment. Oui. Évidemment, même si ce n'était pas, comme Maurice dit, même si ce n'était pas obligatoire dans la loi d'agir ainsi, ça aurait eu du gros bon sens de prioriser le conjoint. Euh, parce qu'il y a plus d'impôts à payer souvent le, le conjoint que les enfants. OK, on continue. 2.2, euh, toujours dans les revenus. Je vous ai parlé tout à l'heure que des couples, bien, des, des, des gens qui reçoivent des revenus d'un de, 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 fonds de pension d'employeur doivent s'imposer dessus. Ici, on vous donne la possibilité aux, re, aux gens qui sont, à, qui sont à la retraite. De, de prendre une partie du revenu qu'ils reçoivent de leur fonds de pension et de l'envoyer dans la déclaration de revenus de leur conjoint. Je ris parce que c'est bizarre comme règle. C'est le genre d'affaires qu'on ne voit pas beaucoup. Donc, il existe une règle qui, veut, qui essentiellement vise les, les retraités, qui dit aux retraités, si un des conjoints reçoit un, un montant provenant d'un fonds de pension, s'il veut, il peut prendre jusqu'à 50 de ce revenu-là puis de le, le, le mettre dans la déclaration de revenu de sa conjointe ou de son conjoint, même si, en réalité, elle n'a rien reçu de ces montants-là. Regardez un petit exemple ici. On a un couple, monsieur, madame. Euh, chacun reçoit 5 000 du gouvernement fédéral, là, la fameuse pension de la sécurité de la vieillesse. Et monsieur Dubé, lui, il a travaillé toute sa vie chez Kruger. Après, il, il a participé à un fonds de pension très, très généreux. Met, donc là, maintenant qu'il est à retraite, le fonds de pension de Kruger lui verse 50 000, 54 000 par année. Madame Doyon, elle, n'a pas, euh, pas travaillé. C'est son choix. Elle a, fait, elle a travaillé très fort autrement, mais elle n'a pas, pas été à l'emploi et elle n'a pas participé à ce fonds de pension. Le, ce que j'essaie de vous montrer, je fais attention pour ne pas être sexiste, mais le, la règle, elle est conçue pour les retraités de l'âge de nos parents, vos parents, nos parents, je pense aux miens, où souvent, avait un des deux conjoints qui allait travailler, qui participait à un fonds de pension, puis l'autre non. Donc, on se ramasse. Si la règle n'existait pas, là, regardez, ça ressemblerait à quoi les rapports d'impôt. Monsieur Dubé s'imposerait, serait à peu près 60 000 de revenus par année. Puis sa femme serait à peu près rien. C'est normal, elle n'aurait pas de revenus à la retraite. à part son 5 000 Ça, au niveau fiscal, c'est pas avantageux pour la même raison que j'expliquais tout à l'heure. Pensez-vous que c'est avantageux dans un couple quand quelqu'un S'impose sur 60 000 de revenus, donc va atteindre des taux d'imposition coûteux, et que l'autre s'impose sur, sur 5 000, même pas, puis lui aurait de la place pour avoir des, des nouveaux revenus sans que ça coûte trop cher. Donc, ce n'est pas, pas efficient, ça. L'idéal dans un couple, c'est de déclarer des revenus pareils, de niveler les revenus à peu près pareils pour que personne atteigne des taux d'impôt trop coûteux. Donc, c'est ça que la règle permet de faire. Seulement sur les revenus, donc la règle dit, sur la PSV, tu ne peux pas le transférer, ça, ça ne marchera pas. Mais sur le montant reçu du fonds de pension, tu peux prendre n'importe quel montant, maximum la moitié, et le déclarer dans la déclaration de revenus du, de la conjointe. Donc, moi, si je conseillais ce couple-là, je leur dirais, ben moi, je prendrais la moitié, le 27 000 que vous voyez ici, ici et on l'enlève du rapport d'impôt de monsieur Doyon. Et on va plutôt l'imposer dans le rapport d'impôt de sa femme. Donc, on se ramasse exactement avec le, une finalité souhaitée, c'est-à-dire deux conjoints qui déclarent à peu près les mêmes revenus. Si on simulait sur une, un, un, un simulateur d'impôt, on verrait que ce transfert-là génère des milliers d'économies d'impôt, des milliers. Parce que vous comprenez que le 27 000 ici, il aurait été imposé à un taux très élevé, alors qu'ici, Surtout dans les premiers dollars, là, il ne sera presque pas imposé. Donc, retenez ça, c'est pour les retraités, bien sûr. Donc, quand vous serez à la retraite, je vous souhaite que ça existe encore. Je vous souhaite que vous puissiez le faire. Mais pensez maintenant à vos parents. Pensez à des. Si vous conseillez des gens de votre entourage qui sont à la retraite, il y a, de, il y a ça. Les logiciels le, le, le suggèrent aussi. Il y a ça à considérer. Euh, donc, on continue. Imposables. Ils sont imposables les retraits REER, les retraits de fonds de pension, on en a parlé. Les retraits d'un fer, on va tout reparler de ça. Paiement d'assistance sociale, CSST, c'est le même traitement. Euh, ça, c'est vraiment des paiements de dernier recours. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, l'assistance la, sociale, c'est le dernier filet social au Québec. Tant que quelqu'un n'a plus aucun, aucun revenu, plus de revenus d'emploi, aucun revenu de placement, rien. Il n'y a même pas d'assurance emploi, il n'y a plus rien. Le, la, donc, l'assistance sociale, c'est un petit montant à chaque mois qu'on reçoit pour survivre, c'est le cas de le dire. Donc, heureusement, on payera, les gens ne payent pas d'impôts là-dessus. Mais techniquement, il faut l'inclure dans le revenu, le montant. Donc, on inclue, ici, il faut l'inclure dans le revenu, mais le même montant va être déductible dans la partie verte, dans le calcul du revenu imposable. Donc, c'est un plus, puis c'est un moins. D'accord? Même chose pour des paiements, de CS, des paiements de la CNESST. Donc, si tu es accidenté de travail et que tu reçois des paiements, tu inclus les paiements dans ton revenu, mais le même montant, tu le déduis dans, ton revenu, dans le calcul du revenu imposable. Donc, c'est un plus puis c'est un moins. Il n'y a personne qui va payer d'impôt sur ces montants-là. C'est ce qu'on veut. Euh, petit mot sur l'assurance-vie. Euh, vous savez, qu'est-ce que c'est de l'assurance-vie? Hein? C'est. Vous savez que tout s'assure dans la vie. N'importe quelle peur peut s'assurer. Tu as peur de, perdre, de faire un accident d'auto, il y a une assurance auto. Tu as peur que ta, ta maison passe au feu, il existe l'assurance contre le feu. Tu as, as, as peur de te blesser au genou. De... Appelle un assureur, ils vont te donner une assurance. Ils ont, tout le monde, les assureurs sont toujours prêts à assurer n'importe quelle peur. Une des peurs que les gens ont, c'est de perdre la vie de quelqu'un. Ça, ça s'appelle l'assurance vie. Si dans ta... Si t a, t a, t a, T es, t es, t es stressé ou tu as peur ou es, c'est ça ta crainte toi dans la vie que quelqu'un autour de toi décède ton mari t es, t es, tes parents ou toi même tu peux contracter une assurance vie tu comprends que tu vas payer des primes et euh, à l'assureur puis l'assureur s'engage à verser un montant à, à, suite au décès de, de, de l'assuré d'accord donc règle générale quand Quelqu'un décède et que tu... Admettons que de ton père a pris une assurance-vie sur sa tête, il a payé les primes toute sa vie, il décède, et dans le contrat d'assurance-vie, c'était toi le bénéficiaire, puis tu encaisses 500 000 disons, ou un million. Mais tant mieux pour toi. Ça, ce n'est pas imposable. Okay? Donc, l'assurance-vie, ce n'est pas imposable parce que ce n'est pas vraiment un revenu. De l'assurance, c'est un remplacement de quelque chose que tu as perdu. C'est quand tu perds une auto, que tu reçois de l'argent, tu n'es pas enrichi. Tu as perdu une auto et tu reçois un chèque. Quand tu passes au feu, tu perds ta maison, tu reçois un chèque d'assurance. C'est juste pour remettre en état. Tu ne t'enrichis pas avec ça. Ça a l'air que l'assurance vie, tu perds une vie, tu reçois un chèque. C'est plat de te parler comme ça, mais c'est la même logique. C'est de dire que ça remplace quelque chose que tu as perdu. Donc, ce n'est pas imposable de l'assurance. C'est vrai pour l'assurance, sur l'auto, sur la maison. Ce n'est jamais imposable de recevoir un montant d'assurance. Petite exception. Quand tu contractes de l'assurance vie, l'assureur va te faire une proposition. Il va dire, donc dans mon exemple, admettons que je veux contracter une assurance vie. L'assureur regarde mon état de santé, tout ça, puis il dit bon, ça va te coûter 1000 pièces par, par année. Ça coûte pas, ça coûte pas cher de l'assurance vie, surtout quand tu es en bonne santé. Fait que l'assureur dit si tu me payes 1000 pièces par année, moi, je te, je vais, je vais, on va te signer un contrat d'assurance vie. Puis à ton décès, on versera un montant d'argent à l'assuré, la, à, à la personne que tu décides. L'assureur va dire J'ai une proposition à te faire. Tu n'es pas obligé. En plus de donner le 1 000 par année pour le payer l'assurance, tu pourrais me verser un petit peu plus d'argent. Disons 500 de plus par année. Et ce 500 $-là de plus que tu me donnes, moi, je vais faire de l'épargne avec cet argent-là. Donc, quand je vais recevoir 1 000 500, le premier 1 000 est à moi. Ça, c'est pour couvrir mon risque d'assurance. Mais si tu acceptes de me donner 500 de plus, je vais le placer pour toi. Ce 500 $-là, je vais le placer, je vais faire du revenu de placement avec ça, puis éventuellement, je vais te le redonner. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une valeur de rachat. Quand on dit qu'une police d'assurance-vie comprend une valeur de rachat, ça veut dire que la, la personne a accepté de donner un peu plus que le coût de l'assurance et, et a accepté de faire un peu d'épargne, finalement, chez l'assureur. Comment ça va finir cette histoire-là? Il y a deux fins possibles. OK? Donc, admettons que euh, admettons qu'effectivement, euh, je décède, cest tu -ce moi, j'assurais ou c'était mon père. Je décède, OK? Puis que c'était prévu que c'était mes enfants qui reçoivent les montants. Bien, à mon décès, tout ce qui va être remis à mes enfants va être non imposable. Donc, suite au décès de l'assuré, l'assureur, Pardon, tout de suite au décès de, de, de moi qui a contracté l'assurance vie, tous les montants qui vont être remis à mes bénéficiaires ou aux gens, aux bénéficiaires de, de l'assurance, vont être non imposables. C'est quoi tous les montants? C'est le million qui était prévu dans le contrat d'assurance vie. C'est le retour des épargnes. Tous les 500 dollars que j'ai donnés oui, vont être remis à mon bénéficiaire, plus le rendement aussi. Le rendement sur, donc dans mon exemple là, ici... On, on, on donne 1 million plus 6 9. Le 6 9, il y a un petit calcul en bas, c'est j'ai payé 500 dollars pendant 10 ans. Donc 500, 500, 500 pendant 10 ans. J'ai fait donc de l'épargne à la hauteur de 5 000. Ce 5 000-là, il a fait du, du rendement. Il est devenu 6 avec le rendement. Mais ce 6 9, il est retourné à mes enfants libre d'impôts. C'est ça la beauté. Donc le petit avantage, je ne sais pas si vous le voyez là-dedans, là mais le petit avantage fiscal c'est que le rendement va être versé aux enfants libre d'impôt. Il n'y aura jamais d'impôt qui va être payé sur ce rendement. Il y a là l'avantage. C'est pour ça que les assureurs le proposent. Il y a une autre finalité, par exemple. Ça se peut que je ne décède pas. Je ne décède pas. Puis là, tu fais de l'épargne, tu fais de l'épargne, tu fais de l'épargne, tu mets des 500$ à chaque année. À un moment donné, ça se peut que tu te tannes. Regarde, il ne décède pas. Donc, tu pourrais vouloir récupérer tes épargnes. Tu peux faire ça. Donc, tu peux récupérer ta valeur de rachat. Dans ce temps-là, il, il va y avoir un montant imposable. Donc, si je récupère mon, Ça va être bien sûr la portion rendement. Donc, on va, si j'encaisse 6 avant le décès et que j'avais mis 5000 en épargne, ben, on va m'imposer sur 1900. Donc, le rendement, si je le sors avant le décès de l'assuré, là, il va être imposable. Alors que ce même rendement-là, s'il était payé au moment du décès, il ne serait pas imposable. C'est ça la différence. Les bourses d'études, euh, ça, c'est en général, ce n'est pas imposable. Donc, tant mieux pour vous. Donc, quand on est aux études postsecondaires, cégep université, puis qu'on reçoit des bourses d'études, il euh, y, y, y a des petits détails, là, mais en tout cas, les étudiants à temps plein, c'est vraiment euh, complètement exonéré. Donc, tant mieux pour vous. Donc, on le, met, on le met à nulle part dans la déclaration de revenus. Euh, bon, quelques déductions pour terminer. Euh, soit on en a parlé, le revenu fractionné, l'ARQ, on en a payé, on en a parlé. Transfert de la l'allocation de retraite, on en a parlé. Pas grand chose à dire, je pense que tout est dit. Donc euh, si je dois rembourser des sommes sur lesquelles je me suis déjà imposé, on peut le déduire. Frais de déménagement, pas très compliqué là, vous le saviez peut-être. Donc euh, si vous déménagez Donc il faut déménager pour occuper un emploi, exploiter une entreprise ou pour euh, faire des études. C'est des frais de déménagement qui sont admissibles. Il faut se rapprocher d'au moins 40 km de notre nouveau lieu de travail ou de notre, de, de, de notre nouvelle école. Donc, on, on avait déjà vu ça, cette notion-là, de se déplacer d'au moins 40 km. Donc, des frais de déménagement, oui, c'est déductible, mais euh, ça prend un vrai déplacement là, qui est d'au moins 40 km. Et c'est important que pour déduire, les, pour déduire nos frais de déménagement, il faut faire des revenus. Donc, c'est ça le problème avec les, 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 les déménagements des étudiants. Oui, tu peux déduire tes frais de déménagement, mais obligatoirement compte tes revenus après ton déménagement. Donc, si tu déménages pour occuper un emploi, c'est facile. Tu vas faire de, du revenu d'emploi après ton déménagement. Même chose si tu déménages pour opérer une entreprise. Mais le problème avec les étudiants, c'est que si tu veux déduire tes frais de déménagement causés par ton déplacement d'étudiant, ça te prend des revenus imposables après le déménagement. Donc, si tu occupes un petit emploi, tant mieux pour toi. Tu pourras déduire tes frais de déménagement, mais si tu n'occupes aucun emploi tu ne gagnes aucun revenu après le déménagement, c'est 20. Là. C est, c est, même si tu te qualifies techniquement, as pas, tu, tu ne peux pas déduire ça contre rien. C'est juste ça, le petit, petit, petit bémol. Donc, vous avez ici la liste de tous les frais de déplacement qui sont admissibles. Je ne lis pas au complet, mais il y en a plus que vous pensez. Les gens, les gens pensent que les frais de déménagement, c'est le coût du déménageur puis c'est tout, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Regardez de, 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 de ça, là, ça vaut la peine de. Si un jour vous déménagez, passez cette liste au complet. Donc, euh, euh, par exemple, tous les frais de déplacement, la journée du déménagement. Donc, dans la journée où je déménage, je couche à l'hôtel avec ma famille, déductible. Je passe la journée dans un restaurant avec ma famille, déductible. Il euh, faut, faut qu'on qu se déplace en autobus, déductible. Donc, tous les frais de déplacement, la journée du déplacement, sont, sont déductibles. J'arrive, euh, après mon déménagement, ma nouvelle maison n'est pas prête. Donc, j'ai vendu l'ancienne, j'ai quitté, j'arrive, ma nouvelle maison n'est pas prête. Il faut qu'on faut qu'on reste à l'hôtel toute la famille. C'est déductible. Passe à Donc, tu arrives à ta, après ton déménagement, tu te déplaces, la nouvelle maison n'est pas disponible. Hôtel, repas, tout ça, c'est déductible pendant 15 jours. Donc, pendant 15 jours, tu peux tout déduire ce que ça t'a coûté pour te loger, te nourrir en attendant d'avoir accès à ta maison. Euh, ta, ton ancienne maison n'est pas vendue. Il faut que tu continues à l'entretenir, il faut que tu continues à, à déneiger, payer l'assurance. Euh, tu ne sais, peux pas laisser, la laisser se, 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 se briser. Donc, tu continues à couper le gazon, tout ça. Donc, tous les frais reliés à ta maison qui n'est pas vendue, tu peux tout déduire ça jusqu'à une concurrence de 5 000 Donc, euh, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Frais de garde d'enfants, on en a parlé en masse. et les pensées alimentaires aussi. Voilà. Fait le tour. Ça nous amène à la semaine prochaine avec le sujet 6.